Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Démétrios, The Big Cynical Adventure, live! Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Trouvez le sorcier. On va faire un tour sans carte. Restons un peu. Vous allez pouvoir faire confiance à mon sens de l'orientation. Enfin, de l'air frais. Par contre, je me demande pourquoi il fait noir tout à coup. Pas grave, je vais juste me promener par ici. Alors, je crois que je viens de là. Ouais, ça doit être ça. Je vois la lumière. Qu'est-ce que c'est? Je suis où, là? C'est horrible, il faut que je parte d'ici, vite. D'avoir le sorcier. Non, je suis trop on dirait que je suis tombé sur la chose pour le je suis coincé ici. Pour toujours. Hop, je suis mort. Ainsi, personne. Je le revis jamais. Fin. Je préfère encore être coincé au pays des merveilles. On s'en force mort. Dans ma chambre, qu'est-ce que... Pas vu, non? Faisons attention car Hélène a mangé un vieux biscuit moisi qu'elle a trouvé dans notre chambre. Encore, juste ici, sur ma porte. Ouais, je suis vraiment désolé. Quelle gamine. Où elle est? Je vais lui donner une leçon bien méritée. Elle est descendue pour jouer à l'extérieur. Super, maintenant les chaussures sont toutes collantes. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a bouffé de la colle? En tout cas, je n'ai pas encore fini de changer nos affaires. Ranger nos affaires, à plus tard. Et un biscuit, là. Un cookie. Il est tout sec. Le parapluie ne doit pas servir souvent. Ah, tu vomis. J'attrape cette sale gamine infernale. Voyez sa déjection collante et dégoûtante. Bon. Bonjour, salut mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça pue! Ah, c'est vrai, désolé pour ça, c'est vous le responsable, vous savez quoi je vais faire? Je vais laisser ma porte fermée jusqu'à ce que l'odeur s'en aille. Ah, d'accord, à plus! Son étouffé, qu'elle entre en plein milieu du couloir, son étouffé, c'est peut-être un de ces pays où on se permet de demander si ça lui vient d'explorer un peu plus. Je vais le laisser pour le moment. Par hasard, tu n'aurais pas une carte. Carte de quel genre de type? Je vais visiter le coin, mais sans carte, je peux me perdre. Ah, je vois, désolé, j'en ai pas. Tu m'as offert ce voyage à l'improviste, je n'ai pas eu le temps de changer une. Désolé, merci quand même. Regarde, je suppose qu'Henri est toujours inconscient et sa femme n'est pas encore rentrée. Là, et voilà, j'ai livré en cas. Tu peux avoir la carte? D'accord, prenez-la. C'est pas mal, mais ce n'est toujours pas clair pour moi. Pouvez-vous mettre qu'il est lieu intéressant dans le coin? Très facile, il y en a peu. Le musée national est ici. Vous avez une vue pas trop mal à cet emplacement vers le site des fouilles. Et enfin, vous pouvez visiter le Big Bazaar de Nogo juste ici. Les gros comment, j'espère que je ne vais pas y m'y perdre. Ah, aucune chance, Big, c'est le nom du marchand. Oui, merci, ça devrait suffire pour le moment. Pour le moment, combien de temps vous restez déjà? Une semaine. Bon, pauvre. Oh.
On va aller directement au musée. L'archéologue a dit que je devais le rencontrer au musée, alors... Oh, oh, il y a une note à l'entrée. Le musée est fermé pour la journée. C'est pas vrai, j'ai fait des clavettes pour le voir et il est fermé le musée. Super, dans ce cas, je passerai le voir demain. C'est de fouille. Ah, quel trou! C'est un site de fouille ou bien... Ils cherchent du pétrole. Descendre dans le trou? Ouais, mais non, je veux pas aller là-dedans. Je devrais le savoir maintenant, chaque fois que j'ai un choix dans ce genre, c'est jamais bon. Pas dedans. J'ai vraiment aucune idée pourquoi je fais ça. Mais je dois admettre que je suis curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. J'y vais! Aïe, mes mains! J'ai pas l'habitude de grimper des cordes. Ouais, trop facile, j'ai atteint le bas. Bon, je vois rien d'intéressant, par contre, dommage, mais au moins, tout s'est bien passé cette fois. Bon. La corde est tombée. Deux cents ans plus tard, les archéologues furent circonspects en trouvant un squelette sur le site. C'est donc... débarrassé. Ils sont les dents débarrassés. Ah. Il y a des poissons dans l'eau, enfin, si on peut appeler ça de l'eau. On peut appeler ça des poissons aussi, ils ont l'air bizarres et méchants. Pas un expert, mais je dirais que c'est un endroit parfait pour aller pêcher. Une plante à fleurs rouges, très jolie. Plante, c'est juste une plante banane avec une fleur bleue, mais pourquoi je la regarde? C'est cruel, mais pourquoi le diable je suis venu ici dans le passé des vacances à Paris? Pourquoi cette affreuse non-publicité? Moi j'adore les pubs, ça vous donne des trucs gratuits en échange d'un morceau de votre esprit. C'est une pyramide, quelque chose ne semble pas coller, mais je n'arrive pas à dire quoi. On dirait qu'il n'y a personne, tant mieux. Je vais prendre une photo, mais il serait impossible de l'imprimer, malheureusement. Je regrette mon vieux Polaroid. Passeur de trésor et meurtrier par Drag Nickel. Je ne dirais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser, mais j'adore les trésors, mais j'haïs la violence. Y a rien dans ça. Réellement, encore des stupides vêtements et encore plus de vêtements moches, trop moches. Tâche. C'est quoi, de la sauce tomate par terre? Je parie qu'un touriste vient ici, les gens en trop crèvent de faim et gaspillent de la nourriture. Ah non, c'est bon, c'est juste du sang. Dans ce cas, tout va bien. Dégueulasse. Sans des petits trous, peut-être des trous de balles. Ton intérêt. Un soutien-gorge! Il y a une bonne odeur! Pas de doute, ça appartient à une femme! Viens avec moi, toi! C'est avec toi, on court très vite, c'est presque impossible de capturer! C'est assez grand et lent! J'ai trouvé de quoi être. Être une glace géante! Je vais vérifier de quoi s'il y a. On va faire un tour au bazar. Je peux pas te toucher. Hey maître, maître, viens voir mon bizarre. Vous voulez dire bazar? Voilà, je m'appelle un bazar pour ce vrai, c'est le bordel. Tout à faux, ouais. Est-ce que tout vous intéresse? Plutôt rien du tout. Auriez-vous quelque chose d'utile et de pas trop cher? Bien sûr, que dites-vous de cette non-incroyable machine à faire œuf carré? Vous appelez ça utile?
Je bois dans ce cas une blague. Une bague de poinçailles. Une bague de fiançailles, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est encore un peu tôt ça. Pour être honnête, je suis pas sûr de vouloir me marier un jour avec Sandra, cette Caroline gâche tout. Dans ce cas, regarde plein et fais-moi savoir. Dans ce merveilleux fer à repasser salement 200 nonogoyen. Pour sa prix, tu peux repasser, nettoyer, chauffer, l'eau purifier et même trouer des habits. Non merci, dites-moi, c'est tout ce que vous avez à vendre? Non, j'ai plus de trac dans mon sac que moi derrière. Je retourne les objets en zen, tant alors, revue plus tard et je pourrai avoir un nouveau trac pour toi. Ah ouais, non, j'ai pas vu. À plus tard, enfin peut-être, revenez plus tard. Oh, un nouveau client. Bonjour, bonjour. Je ne crois pas avoir déjà rencontré. Vous recherchez... Que recherchez-vous exactement? Attendez, laissez-moi d'abord jeter un coup d'œil à votre boutique. Vraiment désolé, prenez votre temps. Vous voulez goûter notre spécial local? C'est quoi? Écoutez, vous verrez. Non, merci. Ah, il y a une trappe mystérieuse ici. Quelque chose doit être caché dessous. Ou pas? Et arrêtez de jouer avec le sol. Il est déjà suffisamment abîmé, pardon. C'est sûr, pas vouloir coûter? Non. Non, non, c'est une autre fois, d'accord. Sur cette étagère, il y a des livres sans titre. Allez, ouais, je vais goûter finalement. C'est savoureux, mais alors qu'est-ce que c'est? Des fruits de la région. Oh, une tarentule édule colorée à l'urine de chameau. Mais c'est écœurant, dégueulasse. Comment osez-vous vendre ça? Vous devriez. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est savoureux. Ouais, mais... Alors, vous m'en achetez? Non. Oui, de temps en temps, vous êtes tellement illogique. C'est un aide aux fruits et aux légumes, ils sont tous frais la semaine dernière. Tabarnak! Faire les gigantesques en tant que commerciaux, la communication à distance et l'atmosphère du groupe, oui. Je vois alors, je ferme ma gueule. Bien, pour l'instant. Oh, oh là là. Sa gueule, si on est agaçant. Oh, une crowbar. Personne, il y a une barre à mienne coincée. Si seulement je pouvais cesser de m'observer. Vous voulez une barre à mienne? En fait, oui. Allez-y, prenez-la, je suis de bonne humeur, alors je vous l'offre. Vraiment génial, merci beaucoup. Mais c'est fou, je suis pas habitué à autant de sympathie d'habitude, on me demande quelque chose en échange. Pas moi. Mais bon, si vous pouvez m'acheter quelque chose, je penserais. Je viens vous donner ça et je serai la moindre des choses que m'acheter un truc. Bien sûr, je promets, mais laissez-moi jeter un œil, d'accord? Vous avez la chance que je sois de bonne humeur. Tiens, un cookie. Savez-vous à quoi ça sert, les cookies dans le jeu? Il y en a trois par... Ah, l'autre est là. Il y en a trois par image. Ah non, c'est pas ça. Je vous ai dit, le mot commence par P. Pise. Ouais, non, c'est du pétrole. Ah. La pisse. Il y a mis un cookie dans le bonbon, c'est un peu trop.
Puf, ça me prend à être gentil. Bon, j'ai dû trouver qu'est-ce qu'il y avait à faire là. Ah, il y a un biscuit en arrière là. C'est bien. Un cookie. Un robinet, ce pauvre serpent, sans m'avoir soif. Je vais ouvrir le robinet. C'est sauvé. À cette pite, tout le monde dit que je suis égoïste, mais dès que je viens en aide, tout le monde se sauve. Bizarre, quand je regarde dedans, c'est vide, mais quand je parviens pas à me déplacer, sans doute de la magie noire ou un truc. Ah, il y a un biscuit là. La cookie est tombée du rocher. Ah, l'autre est là. Salut, refaire. Le bar souterrain, c'est quoi ça? Ah, c'est autre chose, ok. Personne ne me regarde, parfait. No go underground bar. VIP member, terroriste stable. Ils ont plutôt bien organisé pour un bar clandestin. Top, monte petite carte. Carte, genre une carte de membre? Ouais, petite carte. La carte. Alors, elle ressemble à quoi cette carte de membre? Elle est carte petite. D'accord, j'ai. Il y a quoi dessus? Quelles sont les couleurs? Carte petite rouge, tu m'aides beaucoup. Ah, foutu. Crème, je l'ai trouvé la carte. Elle est là. Voici ma carte. Oh, petite carte vraie, passée. Génial, à plus. Attends. Hey, ma petite carte. Voleur. Ah non, c'est juste qu'on a des visages similaires. Vous ne pensez pas? Aïe. Oh, ma tête. Je suis encore vivant et il m'a défoncé le crâne. Ah, j'ai encore sa carte, mais heureusement qu'il est stupide. Coller la photo sous l'eau, ouais, ça tombe sous le sens, mais je peux pas décoller la photo de ma carte dentée, elle fait partie de ma carte elle-même. Ouais, ça tombe sous le sens. Et je sais pas, j'ai envie de découper la photo de la carte de membre, je vais juste la recouvrir avec la mienne. Ah, il veut. Ok. Il disait tantôt c'était collant. Oh, ouais, attends, j'allais à l'hôtel. On va faire de quoi? Une idée, mais c'est pas. C'est pas cette partie qu'il faudrait coller. Je serais pas très pratique et je risquerais de mettre ça sur la carte. Donc, je la trempe dans le vomi et ensuite, je la mange. Mais ici, on veut faire ça. Ouais, elle se tombe sous les dents, mais... Attends... Ouais, elle se tombe sous les dents. Mais voyons, putain... Ça devrait être une donut, mais en même temps, c'est dur comme de la pierre. Je me mets ça dans la poche, j'ai peur que j'ai coupé une partie génitale par accident si je vois Sandra. Ah oui, ça pourrait marcher! Mais ça lâche! Ça veut toujours pas s'ouvrir. Bah voyons, que...
C'est pas ça que je voulais. Ah ouais. Je vais aller voir ça après. Comment penser? Il y a un verre. Ah, je suis dans le cabochon par là. Obtenir la moitié des coups dans le jeu. Je fais avec cette carte. Bon. Non, je pense que je l'avais fait ça. Maintenant j'y pense, comment je vais retourner en France dans ce cas. Oups. Crise de... Ouais, une bonne idée, si on l'a remplacé. Oups, il y a défaut dans mon plan. La photo ne tient pas. J'aurais dû l'amener de mon tube de code. C'est là qu'on a besoin du vomi. Je me sens coupable d'avoir des idées pareilles, mais il y a des cols, de la colle nulle part alors. Non, ça ferait mieux de me boucher le nez. Et de la colle. Là, il devrait y avoir assez de colle dessus. Une photo pleine de vomi. Pourquoi pas, mais ça marche. Et voilà. La même une fois Caroline aurait été utile pour quelque chose. Ah, t'es là? Regarde une petite carte. Avec ma photo dessus. Oh, c'est vrai, petite carte passée. Je suis entré, court. Bonne chose qu'il ne sait pas. Espérons qu'il ne remarque pas l'absence de la sienne. Attends que je suis dans les parages, en tout cas. Le sorcier que j'ai besoin de parler, c'est lui. Excusez-moi. Je crois que vous êtes le sorcier. Certaines personnes m'appellent comme ça. Qui êtes-vous, étranger? C'est un mec banal qui vient de France. J'ai besoin de votre aide. Ah, ça, je le vois bien. Je n'ai pas d'excès pour améliorer l'hygiène corporelle. Achetez-vous un shampoing ou un truc du genre. Pas ça, c'est quelque chose d'important. Je vois, oui, je dois avoir une potion pour affermir les rides. Pensez-vous aussi que je vous débarrasse de ce bouton purulent?
vous allez m'écouter. Oui, c'est pour un empoisonnement. D'accord, il me faudrait une heure pour préparer le poison. Non, c'est l'inverse, je cherche un remède. Ça paraissait bien important pour quelqu'un qui s'est fait empoisonner. Pour moi, mais pour quelqu'un qui ne peut plus bouger. Oh, mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Bien sûr, je peux m'en occuper, mais je dois savoir quelle sorte de serpent est responsable. Il n'a pas été très clair à ce sujet, ou je ne m'en souviens plus. Pour être honnête, je m'en fous un peu. Je crois que je devrais être dans la plaine autour de l'hôtel, je vois. Dans ce cas, je suis désolé, je peux rien faire. Ne vous inquiétez pas, la mort devrait être rapide et sans douleur. Quoi? Mais c'est pas possible, il m'a promis une tonne d'argent, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez me faire aider. Non, le jeu t'a gagné quand tu le trouves. Mais, vous devrez voir votre tête. Bien sûr que je peux guérir le petit bobo de ce type, sinon quel genre de sorcier minable? Je serais ouf, mais fais peur. T'en avais en stock, ce serait pas une boutique, je fais mes potions de la demande. J'ai une recette ici, si vous voulez bien vous donner la peine de chercher quelques ingrédients. J'ai l'impression de déjà vu, ne vous plaignez pas, je fais ça bénévolement. Vous ne vous attendez quand même pas à ce que je vous donne le remède immédiatement. Non, bien sûr, je commence à avoir l'habitude. Alors il faut que je trouve quoi? Attendez. C'est ici, une tasse de jus de malakis, deux feuilles de steak gilis stratisnum, des cendres de racines de gingham et un piranha séché. Ah mais oui, bien sûr, et pourquoi pas une pâte de canard en tranche, 100 grammes de chapelure, de boîte de chaussures, 1 litre d'eau des égouts et 20 mètres de fil barbelé. Ah non, ça ce sont les ingrédients pour une potion amaigrissante. Vous devez bien sûr faire attention, les effets pourraient être irréversibles. D'accord, d'accord, je vais vous trouver ça. J'espère que c'est la dernière fois dans cette aventure que je saurai faire des courses. Je peux vous emprunter ce papier, il y a des images qui pourraient m'aider. Bien sûr, de toute façon, c'est une photocopie. J'ai une malakie. Des racines. T'as tout vu ça? T'as tout vu ça? Oh! Et ça ressemble vraiment à la racine de guénon que je recherche. Je doute que quand viendra la se plaindre si j'apprends. Et merci. Très bien, on s'en va trouver là-bas. On s'en va ici. On prend la plante fleur rouge. Cette fleur ressemble beaucoup à la photo du sorcier m'a montré. Une plante de fleur rouge. J'espère qu'elle guérit autant qu'elle est jolie. De fleurs bleues. On sent la fin, c'est un peu la piste d'eau, ça. Ah, yes! La barre à mine avec la ficelle. On va faire quoi avec ça? Tiens, non, les poissons ne m'ont pas intéressé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas vrai, je veux pas attacher directement le péritif sur la ficelle, le tendre un morceau. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? C'est un RPG, c'est ça? Ah, l'oiseau, il est là! Non, c'est pas ça. Une authentique merde! Ah, qui compte? Ah, c'est un poisson! Espèce de...
faire des mix. Il faut faire des racines. Ok. Oh diable, vieux fou, je devrais pas le brûler. Allez, brûle, c'est pas rien, il faudrait mieux. Un feu plus gros. Il manque de quoi, parce qu'il me faudrait que. Il vend-tu de quoi, lui, que je pourrais m'intéresser? Ingrédients, je cherche quelques ingrédients. Il fait manquer, c'est une plastique, blablabla. Vous en avez? Je pense que le produit naturel ici, ça, les traits. Vous prenez à la place pour rien, et merci. Je comprends pas ce qu'il. Le piranha! Jamais les piranhas de cette région ont un goût affreux, ils ne sont pas comestibles. Ah, vous êtes bien touriste, vous le. Peu de mal acquis. Depuis en stock. J'avoue que c'est sympa, j'ai eu mon cousin au téléphone tout à l'heure, il arrive pour une livraison dans la journée. Je reviens plus tard, ok, mais comment il fait livraison à pied? Bien sûr que non, enfin, il a un vélo, super. J'espère que ce sera pas trop tard. Bon. Oh! J'aimerais avoir été pêcheur dans la vie de ta. Ah, les articles de pêche. Hey, vous vendez des articles de pêche, vous avez des filets, différentes tailles. Je pensais que je pourrais attraper un piranha avec un filet. Non, je pense pas. Quoique, quand même, ça ferait une vente de plus. Pardon, voilà maintenant, vous avez acheté un truc. Il a coupé à la main! Maintenant, je comprends l'explication de différentes cultures. Oh, différences culturelles! Très heureux de vous revoir, étant mec! Ha 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 ha.
La branche de bois. C'est un ingrédient. On va prendre un indice. Un crunch. Le sorcier a dit qu'il a besoin de cendre de racines de guircom, alors il faut que je la brûle. Le briquet ne fuira pas. Il n'y a pas moyen de faire un feu plus grand quelque part. Je pense qu'il y a dans ma chambre d'hôtel que je pourrais... C'est vrai qu'on n'a pas retourné dans la chambre d'hôtel depuis Cabot. Mais ben, je devrais peut-être aller voir comment on va en vie. Après tout, ça sert à rien que je m'embête de faire ça. Et je passe de l'autre côté. Qui êtes-vous? Je pense que vous êtes la grand-mère de Henri. Non, espèce d'incident, je suis Paulette, sa femme. Ouch. On dirait qu'il les aime vieilles et décomposées. Comment osez-vous, connaissez-vous Henri? On s'est rencontré à Paris, on a discuté un peu plus tôt. Il était vraiment mal au point. Effectivement, je viens de retrouver mon pauvre Henri inconscient écroulé par terre au milieu de la place. Il m'a demandé de trouver un sorcier pour l'aider. Un sorcier? Merci, mais je vais gérer la situation moi-même. Mais, au revoir. Pas abandonné comme ça. Il y a l'argent qu'il m'a promis alors. Attendez, comment comptez-vous le guérir? J'ai appelé un autre docteur et il m'a dit que je devrais amener Henri à l'hôpital. Le plus proche est à 10 de kilomètres, il sera mort en arrivant. C'est mon problème, mêlez-vous de vos affaires. Il s'est décidé, j'attends un taxi pour l'amener. C'est pas ce qu'il vous... qu'il souhaitait. Il m'a demandé d'aller trouver un sorcier. N'allez-vous pas respecter ses dernières volontés? Il est vivant. Vous êtes entendu parler de lui de la sorte. Pourtant vrai, vous êtes insensé, vieille folle. Ah oui? Et vous donc, vous croyez sérieusement aux sorciers, la magie noire et les absurdités de ce genre? La seule chance, il ne souffrira pas un trajet si vous l'amenez. Je me fous de votre avis, vous n'avez aucun droit. Je suis la femme, je décide. Soyez raisonnable, donnez-moi une chance. Je ne vous écoute plus du balai. Bye. Qu'est-ce que vous faites? Reculez. Non. Arrêtez, écoutez-moi. Vous avez dégagé cette porte. Je n'arrive pas à fermer. Vous aurez sans mur sur sa conscience. Vous n'avez pas abandonné, n'est-ce pas? Eh bien, je déteste admettre, mais il y a un fond de vérité dans ce que vous dites. Qu'est-ce que vous, Henri? S'il vous plaît, enfin, oui, désolé, je vais rappeler le taxi. Je vous donne 2 heures pour trouver le sorcier. Et sans remède, quel qu'il soit. Merci, super, je vous inquiète pas, je reviendrai avec le remède. C'est intérêt, excellent. Maintenant, partez, je vais porter dans son lit. Je déteste le voir tout desséqué sur le sol. Bien sûr, à plus tard, j'ai gagné, mais j'ai mal partout, espérant que ça me valait la peine. Ah, là, je peux faire un feu. Balancer la racine de guircom dans la cheminée, maintenant j'attends qu'elle brûle. Ça brûle pas, mais pourquoi? Ah, ce serait parce qu'il n'y a pas de feu. Hein? C'est parce que peut-être qu'il n'y a pas de feu? Ah, ça gèle ici. Tiens, voilà un peu de feu. Et voilà. Mais comment je vais faire pour avoir des cendres? Peut-être comment aller voir, c'est compliqué les choses. Allez hop! Dans ma poche. Tiens, les cendres. C'est brûlant, j'étais pas si bonne idée. Mon pantalon est en train de cramer. Oh merde, j'arrive pas à éteindre le feu! C'est moi où il commence à faire chaud ici. Bon, ça y était mort. Je vais prendre la douche, je suis. J'avais un peu dans la viande, ça devrait suffire pour la semaine. Bien fait avec ça.
sais, ouais, je suis la personne terminée. D'accord, à plus. C'est notre retour avec les remèdes? Non, pas encore. Un cookie là. Les mises à ce que quelqu'un arrive, des mots gentils sur l'hôtel. Les vides, oui, malheureusement, vous voulez en écrire un message. La boisson bleue. D'accord, crunch crunch, portant la plante aux fleurs rouges du sorcier. Bien sûr, ça là. On va aller voir le sorcier. Je vous demande des détails, allez-y. Sans quelqu'un, rien que vous. Vous pouvez maintenant aller trouver les autres ingrédients et vous ne laissez pas le temps de vous poser. On voit bien que ce n'est pas vous qui souffrez. Voilà, maintenant ce n'est pas un Stragilis Stratium, quoi. Ici c'est la fleur rouge alors que Stragilis Stratium c'est une fleur bleue. On ne prend pas sur votre photo, ils sont rouges. Bon, j'ai oublié de remplacer la cartouche bleue sur mon imprimante, alors les couleurs sont enfoncées. Attention, par contre, la forte dose peut provoquer un état comateux. Ça pourrait même penser que vous êtes mort, semble être dangereux. Parfait avec Caroline pour le trajet de retour. Eh bien, regardez, bon, je suppose qu'il faut que j'aille rechercher une plante à fleurs bleues. Donc. Hi. Salut, Rem, c'est Chicky. Ça va, mon boy? Hey! Chicky, Chicky, Chicky! Comment ça va, Red Cella? Comment ça va, mon cheap préféré? Ses mères, il a dit qu'elle était bleue. Je vais la prendre, on verra bien. Merci. Tant que c'est la bonne cette fois. On est mort de la courir partout, c'est seulement si j'avais une moto. Eh ben bonjour, vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? Tiens, s'il vous plaît, dites-moi que c'est la bonne cette fois. Je vois. Eh oui, c'est ça. Quoi, vraiment, c'est tout? Pas besoin de courir partout, trouver la jaune, la pleine d'une autre couleur. Non, c'est parfait. Je trouve du malaki. Les malaki sont des fruits très communs, par contre, ils ne poussent pas aussi dans le magasin. Bon, passez dans la tangarine. Ils ont du jus, ils ont dur. Pierre, vous n'êtes pas que précis. Un nu, dur comme de la pierre, c'est marrant. Les enfants, ils adorent et ils dansent aussi. Avant que je sois un pana, bon. Pana, bactéries spécifiques qui les aident à organiser à lutter contre les poissons. Ça donne le bon goût à la potion. Oh. Un oiseau sur votre main. Ouais, il est joli, n'est-ce pas? Je m'appelle Flux l'oiseau bleu. Il est mignon. Il faire des tours. Bien sûr, regardez. Mais son oiseau, quoi.
Lionel, tu le tues. Pow! Tu vois l'oiseau voler encore une fois? Je suis sûr que tu fais quoi quand tu penses qu'il vole? Clac! Il pourrait les oublier, mais ça aurait des conséquences. Faut vraiment que je fasse. Le truc que j'ai construit ne ressemble pas encore à une canne à pêche, il manque un hameçon. Tu sais, mais elle est où l'hameçon? Oh, je crois que je vais être malade. Il y a une boîte d'hameçon ici, dans la tente. Il y avait rien dans ce temps-là tout à l'heure. J'ai pas vu que c'était marqué des hameçons. Je suis bien pourri. Ah, Dex, non, pas magnifique. Ça fait. Ah, oh, ça c'est tannant. D'accord, j'ai les hameçons au bout de ma ficelle. J'ai une canne à pêche primitive. Évidemment, il faut un appât. Et la toute touche finale, un apéritif. Et voilà! Et maintenant, on met ça là-dedans. Non. Oh. Hey, tiens, je donne. Adonnance, direct sur un biscuit. Où il y a un biscuit là? Tiens, un biscuit. Lady Briand, et maintenant, je sais un peu d'expérience pour pêcher. T'as pas un piranha? Ah, c'est vrai. Ouf, c'était dur, mais il a mordu. Moi, je l'ai tué, hein, tant pis. Le sorcier le voulait mordre, de toute façon. Laisse la canne à pêche, prête, détends, en cas où quelqu'un d'autre voudrait s'amuser à l'attraper. Ouais, mais le but c'est de prendre le moins de biscuits possible, tu sais. T'as dit ça quand j'en prends un pour stupidement. Je peux vous demander des détails, allez-y. Tiens, le piranha, regardez, j'en ai un. Hé, hey, vous là, mon doigt, lâche-le. Moi je croyais qu'il était mort. On dirait que vous vous amusez bien avec, gardez-le. Parce que vous y allez. Vous ayez tout. Bien. L'oiseau, il manque le jus. Voyante, quel est votre désir étranger? Je ne vois pas, l'argent est laissé, c'est comme tout le monde. Attendez, vous ne vous approchez pas. Hein? Je veux sentir le pouvoir gigantesque qui émane de vous. Vous devez parler de gueuler sur mon pull. J'ai essayé de laver plusieurs fois, mais c'est tenace. Attendez, stop, reculez. Emina, attention à des pouvoirs, les démons ne sauraient remplir à leur fin. C'est quoi ce bordel? Terrible. Le destin terrible de soleil va à l'encontre de ce que la logique peut s'effondrer. Le solstice d'été et la fonte des glaces, rien ne saura vous l'empêcher d'écouler. Complètement taré, va très trop, Satana, puisse le diable vous prendre par les deux oreilles et dévorer vos sincères de l'intérieur. Et de que la mort puisse ranger par le de là, c'est l'azur quand la voiture de la tranquillité aura apporté la joie. Mieux que je me tire tant que je le peux encore. Non, c'est moi que tu parles. Oh non, j'étais juste en train de me parler à moi-même, en plus. Un verre. Hey, vous m'entendez? Je pensais que le barman de l'hôtel n'était pas très bavard. Et ben, sort de là. Retourne au magasin pour voir.
Oh, je suis vraiment content de vous voir. As-tu mon jeu? Jeu de Malaki, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon cousin vient de livrer les Malaki. Ouais, génial. Je vais vous en prendre deux ou trois. Deux ou trois? Vous n'allez pas être... arrêter de me harceler juste pour deux ou trois. Ben ouais, j'ai seulement besoin de faire une tasse de jus de fruits. Je n'en vendrai pas moins que vous n'achetez la moitié du cargo. D'accord, d'accord, allez-y, et qu'on en finisse. 1000 Negoyen, s'il vous plaît. Alors, je vais oublier, j'en ai pas de Nego, seulement 2 euros. Pas de problème, je change encore votre argent. Vous pouvez faire ça. Dans ce cas, prenez mes 200 euros et 25 centimes. Donc, je change en 2000 Negoyen, parfait. Eh, mais vous m'avez pas dit que ces fruits coûtent 1000 Negoyen, si. La moitié de mon argent, environ 1000 euros pour quelques fruits. Tu vois, je refuse, c'est ma seule offre, c'est ça ou rien. Vous voulez ces fruits ou non? Pouf, il m'a vu venir. Je fais toujours avoir, d'accord, d'accord, donnez-moi ces foutus fruits, et voilà. Je vous vends le reste de votre argent, les Nengoyan. Merci, c'est la vraie monnaie de Nogo, ça, à part le montant de le label que je vois franchement la différence avec les euros. Je ne ferai pas de billets de banque, monsieur. Du fond, ce sont des sacrés feignants, par contre. C'est un vrai plaisir de faire. Je commence avec vous. Je m'étonne. Venez plus tard. Comment je vais faire pour briser ça? Je vais aller y amener pour vous dire que c'est du jus que j'ai besoin. En fait, les fruits, maintenant, comment extraire le jus? Je vous l'ai dit, vous devez faire un menu. Il faudrait une recette. Vous n'avez pas une sur vous par hasard? Non. Une machine. Ah, oh, la machine. Hey, je vous supplie, dites-moi ce que vous avez votre machine à extraire du jus de fruits. Du jus de frites. Machine, mais pas extraire du jus de frites. Ouais, non, vous êtes vraiment le marchand le plus utile du monde. Merci. J'abandonne, je serais peut-être mieux de rester à l'hôtel plutôt que de faire mon temps ici. Eh ben même, vous avez sûrement une machine, il faut extraire un jus de fruits, non? J'achète des cocktails pour préparer. Évidemment. Au revoir, à la prochaine. Peut-être qu'il n'a pas envie de causer, ce sont deux trucs. Bandit, je vous dérange, vous avez un centrifuge. Hein, centrifugeuse pour des smoothies ou un truc du genre? Ouais, non, je. J'ai pas pris la vie avec ça, désolé. Ouais, je m'en foutais bien, merci quand même. Bon, j'ai l'idée de ce fois que je pourrais porter du jus par cœur. Je peux décider le moment. Non, il est parti jusqu'à demain. Et ça ne sera toujours pas fini, presque. Super, au fait. J'aurais bien dû faire du jus de fruits. Et t'aurais pas un stock d'un extracteur de jus de fruits dans ta valise, hein? En fait, si, j'ai une centrifuge. Tu quoi? Ouais, Caroline boit exclusivement du jus d'orange. Après, ce matin, elle est difficile, tu le sais. Étant donné le risque d'attraper le tourista, j'ai pas eu d'autre choix que d'amener à la machine. Sans commentaire. C'est génial, tu peux me la prêter, bien sûr. Vas-y, mais rapporte-moi-la demain, d'accord? Merci, sans faute. La seconde fois que Caroline est utile à quelque chose, même si c'est directement incroyable. Au revoir, Bijoin. À plus. Voilà, j'ai placé le centrifuge sur la table du fond. Il n'y a plus qu'à essayer. Je
j'excelle bien à l'intérieur. Hein? Enfin, ce bazar, ça rentre pas. On dirait qu'il faut un récipient avec une taille bien suffisante pour que ça puisse tenir environ 5 cm de large. Le bar s'élevait à terre, il sert à rien. Pétez le verre. Ah, elle a. Pas besoin de le prendre, je le vois, il est bien trop gros pour entrer dans la centrifuge, mais c'est pas. Je vous donne un verre, je n'ai rien dit, mais vous avez déjà emprunté un verre il y a un moment. Ben vous avez la différence parce que celui-là est trop gros. Au gros, je n'ai aucune idée de ce que vous faites, mais nos verres sont identiques, dommage. N'oubliez pas de rapporter le verre qu'on va emprunter, bien sûr. Bon. Donc c'était tout. Oh, on va rien qu'aller voir si elle a pas un verre. Elle se dérange encore, mais j'ai un problème. Je trouve pas le récipient pour stocker le jus. Est-ce que tu l'as? Ah, t'as raison, je crois que je l'ai oublié. Ah, c'est bien ma veine. Désolé, Bijo, j'aimerais pouvoir t'aider, mais il faut vraiment que je finisse avec tout ça. Faut pas que je remplace. Je vais laisser pour le moment. Alors du balai. Ah, le verre. Non, ça vaut même pas la peine d'essayer. Le verre est beaucoup trop gros. Oh. Et plus tard, quand mon corps va cesser de battre. Non, pas parce que je tombe amoureux de ce gars, plutôt parce qu'il fait sur une falaise. Un client, j'ai soif. Non, mais... aurait pu me servir il y a quelques jours, mais là, j'en ai pas besoin. C'est dangereux que la corde est vieille pour lui. La poterie. Ouais, marche super bien. Bon, un prix 1500. Mais je n'ai que 1000. Les touristes, je devrais pas faire ceci, mais tu dois marchander. Ah oui, marchander, je suis pas très bon à ça. Bon, alors je dois prendre pour 1000 Ngoyen, c'est mon dernier mot. Et je prends. Bon, la machine va faire des poteries. Un objet spécial. On va faire un objet spécial en cliquant sur la barre en haut. Je n'ai jamais pu mieux négocier. Ça me fait même une journée déjà. Bon, vous avez enfin été utile pour quelque chose. Pourquoi l'insulte? Insulte, sortir, dégage, merci, bye bye, bye bye, bye bye. Un pot! Oh, le pot est trop petit, il tombe directement. Allez, je le balance, je tombe dans une poterie. Petit, hein? Oh, le pot est trop petit. Oh.
l'air gros celui-là. Oui, ça rentre, bon. Et là, ouais. Ok, non, faut mettre là-dedans. Enfin, va. Attention, j'ai pas envie de tout recommencer. Raison, attention. Et voilà, laissez-moi vérifier. C'est du jus de malaki, c'est plutôt bon. Buvez pas, ne vous inquiétez pas. Il n'y en a plus qu'à assez. Deux feuilles de Stagilis, d'accord. Piranha vivant. Et moi, je pensais l'avoir déjà tué. Non, il l'est. Oh, merci, je suppose. Il descend une boîte en... dans un... une boîte en carton. Boîte en carton, je croyais que c'était supposé vous apporter des cendres d'une racine de gecko. La même chose, juste besoin de cendres de bois. Je les mélange ensemble. Et voilà votre potion. Enfin, merci. La potion dans mon pot. Vous ne voudrez pas la mettre dans un flacon? Vous attendez à quoi? Que je fais ça gratuitement, vous pourriez être un peu plus reconnaissant. Et soyez prudent avec ça. Ne le gaspillez pas, ce serait plus simple si vous m'aviez vraiment donné un flacon. Alors, vous attendez quoi à donner ça à votre ami? Vous avez raison, j'avais déjà oublié pourquoi faire, je faisais tout ça. Au fait, la potion peut parfois accidentellement causer la mort pour effet certaines personnes. D'un léger effet secondaire de la potion. Très rassurant. Bonne chance. Donc, nous terminons cette aventure de Demetrios de Big Cynical Adventure. La chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!